Et bonjour tout le monde, bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop. Est-ce que tout marche bien? C'est là la question? Ouais? Nickel? Parfait. Génial. Ça marche nickel. Bon, je suis un petit peu saturé, enfin je suis un petit peu cramé. Ouais, pourtant il n'y a pas de soleil, il n'y a rien du tout, hein, tout va bien. Mais bon. Écoutez. Voilà quoi. Bah, j'espère que vous allez... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, Skyrim, on poursuit l'aventure. On va faire à peu près 1h30, peut-être 2h de stream. Live très court. Hein. Et ce soir, il y aura peut-être du Phasmo. Voilà. Il y a une grande chance pour que ce soit du Phasmo, mais sinon, il ne va y avoir pas de Phasmo et pas de live du coup. On verra. Et coucou Chimera, comment vas-tu? Alors, on va lancer le jeu directement. Alors, normalement, si OBS fait pas de la merde, normalement, j'ai pas besoin de paramétrer, ça le fait tout automatiquement. Mais, comme d'habitude, c'est peut-être bugué. Peut-être ça marche pas. Genre là, ça marche pas. Voilà, c'est génial. C'est génial. Hop, hop. Hop, et hop. Voilà. Nickel. Ah bah si ça va, c'est nickel. Normalement, si je lance ça, je fais continuer. Vous voyez. Voilà. Quand même. Quand même. Allez. Eh bien. Il veut pas se lancer. Je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Du tout. Genre vraiment. Je sais plus ce qu'on voulait faire d'ailleurs même. Peut-être partir. Ah attends, on était. Ah mais si, on venait de devenir bard. On est bard. Et on venait de partir de. Bonjour. Oui, c'est ça. On venait de partir de. Je sais plus comment ça s'appelle. Solitude? Oui, solitude. C'est ça. Et on voulait repartir vers. Merde, c'est pas ça, c'est ça. Carte. Et on voulait repartir vers. Non. Supprime-moi ça. Quand je fais pour le supprimer? Supprimer, voilà, nickel. Snow et moi, on est des terres pour Phasmo. Ah bah d'accord. On va partir vers Aubétoile. Et ensuite, on partira vers Fort d'Hiver. Mais d'abord, Aubétoile. Aubétoile. Je ne sais plus. Non, attends, c'est Aubétoile ou si c'est un autre? Non, c'était Fort d'Hiver qu'il fallait qu'on aille. Oh, je sais plus. Il y a Vendôme. Alors peut-être qu'on irait peut-être à Vendôme d'abord. Hein. On se... Ouais, déplacement rapide vers Blancherive. Hein. On va pas se retaper encore tout le chemin. Hein. Ça sera bien 5 minutes. Hein. Donc direction Vendôme et ensuite Fort d'Hiver plutôt. Sur Aubétoile, il n'y a rien à faire. Oh, putain, c'est vrai que je suis vampire, moi. Les gens voient si vous craignent lorsque vous êtes un vampire en manque de sang. Ah! Pourquoi c'est dégueulasse? Pourquoi c'est dégueulasse? Je suis le commandant de la garde de Blancherive. Bah c'est bien, enchanté, mais pourquoi c'est dégueulasse? Parfois la vie de soldat me manque, mais quand je tiens ma fille dans mes bras, je sais que... Bon, tant pis. Bah écoutez, on va sortir, on va voir si ça charge. Ça a l'air de pas avoir chargé du tout. Mais pourquoi il y a deux musiques? Stop! Elle s'était pas coupée l'autre musique. Elle ne s'était pas coupée. Ah, et là, c'est chargé. Ah bah non. J'ai un souci au jeu. J'ai un souci avec le jeu. Je crois bien que c'est... Ça a baisé. Alors. Je crois bien que c'est pas chargé du tout, en fait. Il y a des parties qui sont pas chargées. Ah ouais. Ouais, bah écoutez. On sauvegarde. Voilà. Et on quitte le jeu et on redémarre, parce que... Pourquoi ça fait ça? Ah oui, ça manquait. Et coucou Snow, d'ailleurs. Oui, oui, on quitte, oui. On relance. Ah, fallait bien que ça soit ça. Hein. Il y a tout qui marche bien. Faut bien un truc qui casse. Faut bien un truc qui va pas. Bon.
Hop, on relance le jeu. Ouais. Bethesda Game Studio. Continuez. Voilà. Lorsque vous aiderez quelqu'un, il vous apprécie ça en retour. Certains voudront quelque chose. Ah, ah bah voilà. Là, c'est chargé. Là. Là, on est bien. Très bien. Bon, là, on fait le fou. Alors, direction Vendôme. Alors, j'ai pas de cheval, donc on fait tout à pied. Hein. De toute façon, c'est plus pratique à pied, parce que le cheval, il va se faire tuer au bout de 2 secondes. Bien évidemment. On va faire le chemin à pied. On a déjà fait une partie du chemin pour aller direction les Grises Barbes, là-haut. Là. Oh, c'est musique. Ah, mais oui, mais... Vous entendez pas le jeu correctement? Bah ouais. Ou j'augmente le son. Voilà, normalement. Vous entendez la, le son du truc. Par contre... Lydia? Lydia! On va patienter une heure, le temps qu'elle arrive. Ah, tu es là. Encore là. Ouais, il faut que j'échange certaines choses. Service. Ouais. Alors, est-ce que j'ai pas des trucs à dégager, moi? Divers. Non, non. Os Iliac de Pelagius. Mais je m'en fous. Vous pouvez pas vous équiper de cet objet. Non, mais je veux lui donner, en fait. Bah ouais. Il voulait pas me donner. Les torches, on va garder. Clé de l'eau. Bon, je m'en fous. Ça, on apprend. Ok. Alors, je sais plus quels étaient nos objectifs, qu'est-ce qu'on voulait garder, qu'est-ce qu'on voulait faire et tout. Donc, on recommence et puis on va direction. Direction Vendôme. Et nous verrons bien ce qui arrive sur le chemin. Ça va mal se finir. Hein. Enfin, à chaque fois. Par contre, il y a un problème. Mais il y a toujours des problèmes sur ces lives. C'est un truc de fou. Alors, affichage. Sous-titres généraux. Petit dialogue. Petit généraux. Bah oui, il faut tout. Pourquoi? Bon, ça sauvegarde au moins. Let's go. Oh, on n'a pas d'endurance. Un papillon. Alors par contre... Ouais, c'est ça que je voulais voir aussi. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas de... Le flou de mouvement. Non, il n'y a pas de flou de mouvement. Pourquoi il n'y a pas de flou de mouvement? Bon, bah tant pis, hein, il y aura un peu... Il sera un peu buggy, du coup, comme ça. Pas grave. Hydromellerie d'Hydroning. Faudra qu'on y fasse un tour. Hein. Bon, alors, est-ce que les méchants, ils sont... Ah oui. C'est vrai. C'est vrai qu'on est... on s'était pas changé. Bah ouais, hein, on était à voir l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, avec le bâton, là, le Vabayak ou un truc du genre. Peut-être se rééquiper, du coup, avant de partir. Oh, une armure vampirique, par contre. Botte de vampire. Moi, ça va mieux, ouais. Masque d'adepte. Ouais, on va faire le vampire. Je rigole, je rigole. On va pas mettre le casque, je suis pas fou. On va juste les vendre. Chapeau raffiné. Ah oui, ça donne un air bien con, oui. Voilà. Nickel. Par contre, je veux bien mes armes. Alors, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Flammes, ouais. Ouais, peut-être des flammes. Ça sera mieux. Et range. Voilà, c'est ça. Ok. Eh ben, allons-nous. On va se balader. Oh, qu'est-ce que ce jeu est beau, quoi. Il a 10 ans. Hein. Ce jeu, il a 10 ans. Il est encore beau. Bon, évidemment, si vous regardez loin, non. Mais il est encore beau, quoi. Toute l'ambiance, c'est génial, c'est génial. Faut récupérer ça? Ah bah oui.
lui. Oh putain! Ça fait peur ce con. Attaque, les gars! Fonce! Attaque! Vas-y, tu peux le faire! On attaque un truc de feu avec du feu. Résiste! Oh non, tu crois? Vas-y, on va changer. Une épée en bois, bah oui. J'ai rien d'autre? Allez, une épée en bois. Yeah! Oh, t'as vu, je l'ai vu! Ouah! T'as vu, Lydia, je l'ai eu. Je savais pas que ça explosait. Celle de feu. Oh, c'est bien ça. Ah merde. Bah, du coup, il a tué une sorcière. Ou alors, c'est la sorcière qui est morte parce que. Attendait que. Ouais, on s'en fout. C'est une sorcière. Hop, papillon. Hop. Oui, il faut savoir que je me bats principalement avec du bois. Genre une épée en bois. Un arc. Bon, un arc, c'est en bois, mais évidemment. Je joue un personnage con. Oh putain! Donc. C'est qui a créé un vampire? Qui c'est qui a créé un vampire? C'est toi, Lydia? Ouais, on s'en fout, on s'en fout. Eh, hey, attends, est-ce que je peux pas. Peut-être magie. Festin vampirique. Absorbe 5 points de santé par seconde. Ah non, c'est pas ça. Réanime un cadavre après. Oh, c'est bien ça! C'est trop bien. Séduction du vampire. Créature et personnage de niveau 10 et inférieur cessent de se battre pendant 30 secondes. Vision nocturne améliorée. Oh, mais c'est trop bien. Il est trop bien. Il y a des trucs trop bien, hein, par contre. Hein. Étreinte de l'ombre. Les vampires sont invisibles à leur... et leur vision nocturne s'améliore pour moi. Oh, mais en fait, être un vampire, c'est trop bien. C'est trop bien. Par contre, je fais quand pour me nourrir? Je veux bien, mais... À un moment, il faut bien se nourrir si on est un vampire. Non. Alors, magie. Peut-être les cris. Non. Je sais pas, en fait. Pourquoi il avance bizarrement? Pourquoi je suis au ralenti? Pourquoi je suis au ralenti? Tu peux m'expliquer? Attendez. J'ai touché un truc qu'il fallait pas. J'ai cassé quelque chose. Alors. Non. D'accord. Verrouillage mage. Donc oui. Effectivement ça. Viens là, renard! Je t'aurai! Comme quoi on peut battre des trucs. Ça prend du temps. On peut battre des trucs avec une épée en bois. Là. Bien, bien, bien. Oh merde! Oh merde! Lydia! Viens m'aider! Je vais mourir! Lydia! Oh! T'es trop forte! Me faire tuer par un Ragnar! Pire truc! Tiens! Oh aïe 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 aïe! Oh, renard encore! Oh, j'ai plus d'énergie quoi! Ah bah oui! Vu que je suis au soleil et que je suis un vampire! D'énergie pour courir, c'est génial. Est-ce que je peux pas? Ah, attendez, parce que quand même, on va savoir. Est-ce que c'est pas possible du coup de me nourrir en fait? Festin vampirique, absorbe 5 points de santé à la seconde. Bah, c'est... Non, mais ça, c'est du coup, c'est juste de la magie. Quoi. Serviteur de vampire, non, non. Ah, après, c'est les vues et les trains de l'ombre. Donc, il n'y a pas de truc pour se nourrir. Comment on fait pour se nourrir en tant que vampire? Est-ce que vous savez ça? Comment on fait pour se nourrir en tant que vampire? Du coup, faut se déplacer la nuit. Bah oui, on va attendre la nuit. On va attendre la nuit.
coup, il y a rien, il y a aucune régène en fait quand on est vampire le jour. Et là, ça devrait être mieux. Bah voilà. Coucou. Vas-y, Lydia. T'es nul, Lydia. T'es nul. Lydia. Bon, alors du coup, comment je fais pour me nourrir, par contre? C'est, j'aimerais bien me nourrir. Oh, il y a des gens, là. Est-ce que je peux me nourrir avec eux? Du coup, j'avais dit qu'il fallait rester 3 jours, mais apparemment, ça marche pas, les 3 jours. Hein. Jour. D'accord. Ah ouais. Pardon ? Un vampire, ouais, un vampire. Ouh, agrogrou, agrogrou. Attends. Attends, est-ce que je peux ranger mon épée ? Ah mais non, je peux pas. Attends. 2 secondes, s'il te plaît. Ok. Alors, regarde ça. Du coup, il nous tire dessus, de là-haut. Philippe ! Oh, ah, par contre, toi... Je t'ai vu, toi. Piège. Hop là, trop. Hein ? Ah oui, d'accord, j'ai enlevé le piège, on est d'accord. Hop là ! Viens là ! Alors, du coup... Du coup, pour ceux qui sont là, aidez-moi, comment je fais pour me nourrir en tant que vampire ? Faut que je boive quand même. Comment je fais? Je boive du sang. La patate de... Allez. Il fait mal. Il veut pas. Bon. Bah écoutez, tant pis. Hein. Je suis un vampire qui veut pas se nourrir, c'est génial. Oh tu tu tu. Oui bah attends, attends Kylidia, tu vas voir. Je me taille en pièces, ouais, c'est ça. Oups, pas par là. Non mais je me suis trompé de chemin en fait. Non mais vous inquiétez pas, je me suis juste trompé de chemin. Non, laissez-moi tranquille. Ah, il y a Lydia là, allez, occupe-toi de... Vas-y. J'ai juste regardé sur internet parce que... Pas le choix. Calme-toi la musique, calme-toi. Alors, se nourrir... En tant que vampire sur Skyrim. Ah, si on peut pas se nourrir avec. Voilà. Comment se nourrir si on est vampire hein? Oui, s'il te plaît. Après beaucoup de recherches, j'ai trouvé une solution pour se nourrir avec guerrier du vampirisme. Pas moyen de trouver quelqu'un qui dort pour se nourrir. Alors j'ai activé un god mode. Ah, bah génial. Il faut quelqu'un qui dort. Oui, en buvant le sang de quelqu'un endormi. Il te faut l'approcher en furtivité, interagir avec lui, et il y a une option, se nourrir. Il te faut le faire assez régulièrement pour éviter d'atteindre le stade où tout le monde t'attaque. Ah, il y a tout un mode... Quoi? Oh, shit. Alors du coup, non. On désactive tout ça. D'accord. Faut arriver en furtivité derrière quelqu'un. Par contre, Lydia... est-ce que j'ai pas un truc pour soigner tout le monde? Guérison peut-être. Ou lanceur, ah! Dommage. Oh mais oui, on va choisir ça! J'ai un cadavre là. Je l'active comment, attends. Cri, c'est pas là, non. Inscription, conjuration, guérison, pouvoir. Ouais, j'ai activé là. Mais je veux pas. Ah! Oh putain! Non mais je sais bien mais aïe. Comment je fais?
Juste, je fais comment? S'il vous plaît. Ah mais c'est un cri! Ah d'accord! C'est utilisé comme un cri. Ok, alors attendez. J'utilise comment mes cris? Je sais plus, hein. Commande. Cri pouvoir. W. Ah, W. Bien. Voilà, dégage. Maintenant, on va utiliser le cri sur l'autre. Dès qu'il sera chargé. Raté! Vous pouvez pas me toucher, hein. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Serviteur vampire, bien. Bah toi non plus, tu me vaincras pas. Hein. Toi! Vas-y! Réveille-toi! Non! Bon, on va falloir trouver des cadavres. Hein. Enfin, des gens qui dorment. Quoi? Mais il s'est fait buter en deux secondes! Pouk! Pouk! Mec, hein. Vous pouvez utiliser qu'une fois par jour. Il meurt comment? Il meurt comment? Lydia? C'est toi? Lydia? C'est toi Lydia qui t'en est occupée? Lydia? Elle est là-haut? Mais... qu'est-ce qui s'est passé? Ah mais t'es là toi! D'accord, c'est toi qui t'en est occupée j'imagine? Bon, très bien. Je vois rien. Objet. Non. De plus les pouvoirs. Alors, vue de vampire. Étreinte de l'ombre. Tiens, une étreinte de l'ombre, ouais. Ah, on voit un peu mieux. C'est un peu moins sombre, mais c'est quand même sombre. Et on devient invisible en plus. Ça, c'est cool. Là, rien. Une deuxième épée en bois. Robe de fille bleue, on s'en fout. Ok. Alors normalement il y a un autre gars là-bas. Ah oui, juste là, oui. Bah du coup on devient pas invisible en fait, hein. De ce que je comprends. Vu qu'il me tire dessus. Une pioche. Ah oui, on va prendre la pioche si on peut miner du minerai. Yeah! Je veux pas juste te prendre un vilain coup. Un vilain coup, s'il te plaît. Voilà. Flèche, pierre, or. Ah, il avait de la pierre. C'est bien la pierre. Comment je fais pour remonter, par contre? Voilà, j'aimerais bien remonter. Par là? C'est par là. C'est forcément par là. Allez! Je suis coincé. Y'a pas un moyen de remonter là? Comment il est arrivé là en fait? Allez, saute! 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 Aide-moi Lydia! S'il te plaît, aide-moi! Aide-moi! Il peut pas sauter. Par là peut-être. C'est un moyen! Comment il fait pour atteindre cet endroit là sinon? Coincé. Au secours. Ah. Par là. Oh mais oui. Parfait. Génial. Ok. Bon, va falloir fouiller le tout. On va tuer des gens dans une ville du coup. Hein. Pas le choix. Hein. Va falloir faire un fufu. Chercher la commode. Bonnet usé, non. Robe usée, non. Vêtements. Oh, par contre, il y a des trucs d'alchimie ici. Hep, hep. Il y a un coffre. Ah, j'ai cru que j'allais l'ouvrir direct. Troisième coup, quand même. Arc de torque. Ouh, ça, c'est bien, ça.
Potion de soin. Ok. L'arc d'or, qu'est-ce qui fait plus mal? C'est l'arc long. L'arc long qui fait 7, l'arc or qui fait 11. Ouais, clairement. Clairement. Ouais. On peut pas attendre là-haut. Pourquoi tant d'empressement ? Lydia. Pourquoi tu m'as poussé ? J'ai cru voir des trucs. Mais arrête de me pousser ! Ah mais si, j'ai pas vu l'escalier. Je suis aveugle. Oh, il y a un autre coffre. De l'or, collier, amulette. Gantelet en acier, on a déjà. Par contre, l'amulette, j'ai pas vu ce que c'était. C'est dans tenue. Elle est Kinaret. Augmente votre vigueur de 10 points. Oh bah, on va l'équiper. Hein. Du vin. Du vin encore, et du vin. Enfin. Et encore... Non, pas le saut. M'en fous du saut. Le saut à côté du lit, non. Ça se dégage, ça. Mais relâche. Un flèche noire. Archerie. Ah, bien, ça. On va le prendre et on le lira une autre fois. Table basse. De l'or. Je pense qu'on se fera une session complète de lecture de livres. Quand on aura notre chez nous et qu'on aura plein de livres, on va se faire juste une session. D'accord. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que je peux prendre l'arc là? Ça a l'air intéressant comme arc. Non? Il a l'air bien ça, non? Non, il veut pas. Il veut pas le prendre l'arc. Il a l'air quand même bien puissant, c'est un arc électrique ça, non? Quoi? Non? Bon. Bah tant pis. Y'a rien ici? Bon, y'a rien. Ok, on se barre. On se barre et on va à Vendôme. Ah, ils nous ont attaqués. Bah, notre faute, hein. On a fait que se défendre. Hop. 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 Voilà. Peut-être un chemin plus court, mais... On s'en fout. Alors, par où faut-il aller pour aller à Vendôme? J'ai cru que c'était un loup. J'ai cru que c'était un loup au fond. C'était juste un cerf qui fuit. Très loin. Donc, pour se nourrir en tant que vampire, il va falloir qu'on boive le sang de quelqu'un qui dort. On va rentrer en effraction chez quelqu'un et le tuer. C'est pas cool, hein, en fait. C'est méchant. Alors, on est où? Que je me trompe pas de chemin. Ah, mais on n'est pas sur le bon chemin, en fait. Je suis peut-être trompé à un moment. Ouais. Je crois que je me suis trompé à un moment. Donc, il faudrait peut-être aller de l'autre côté, en fait. On va traverser l'eau. Et on va aller direct par là. Tout droit. Peut-être trompé. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Non! C'est un refus immédiat. C'est un non. On va pas par là. Donc faut aller au nord-est. Ah non, le géant. Oh putain! Mais Lydia, qu'est-ce que t'as fait? Lydia? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est Akatosh? C'est qui? Il nous suit toujours? Non, ça va. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Talos. Je mélange les deux. Hôtel de Talos, activé. Toutes tes maladies ont été soignées. Bénédiction de Talos ajoutée. Du coup, je suis encore vampire ou je suis plus vampire? Je vais voir tout de suite. Pouvoir. Alors ça, c'est parce que j'ai déjà utilisé, d'accord? Cri de guerre. Cible fuit. Vue de vampire, séduction du vampire.
prends les livres. Maçon d'acier, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai jeté, moi? Qu'est-ce que j'ai jeté? Ouais, tant pis. Ah, c'est cool de tomber sur des trucs comme ça. Alors là, par contre, ça fait très Seigneur des Anneaux. Hein. Y a pas un poulpe géant, là? Non, non, bon, ça va. Ça va, ça va, alors. Oh non, c'était pas une mine, parce que dans ce cas-là, ça va être encore pire. Enfin, t'es copie. Par contre, est-ce que je vais dans la bonne direction? Normalement, en toute logique, oui, voilà, c'est la bonne direction. Il suffit de suivre l'eau. On va suivre l'eau en bas. Ouh. Ouh. Oh, y a un lapin. Oh, y a un lapin. Oh, y a un lapin. Est-ce que je l'ai raté? Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Il bouge pas, hein. J'ai pu y arriver. Mais putain. Oh. Ouais, vas-y, c'est bon, j'abandonne. Non? Elle est toujours là? Mais je l'ai raté alors qu'il est là? Ah, quand même. Quand même. Il m'a fallu combien? 8 flèches? Incroyable. 8 flèches pour un lapin. Si c'est pas fou, ça. Donc là, je suis vraiment le meilleur archer. Il y a des maisons là-bas? Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est sûrement juste une petite ferme à la con. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. C'est un smilodon, on n'y va pas. Non. Bah non. On va pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bazar? Mais il est vilain, lui! Il est méchant! Je l'ai one-shot avec une flèche. Je l'ai one-shot avec une flèche. D'accord. Une flèche en fer, en plus. Qu'est-ce que c'est? Oh putain! Au secours! Au secours, Lydia! Au secours! Aide-moi, Lydia. Je t'en supplie, aide-moi. Non, 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 non. Au secours! Oh, j'ai touché. J'ai raté complet. Reviens là! Je vais te huer. Il s'est barré? Oui, il s'est barré. Ah ouais. Mauvaise idée de se ramener par là comme ça. Voilà. Et s'il y avait dedans? Oh, une carte au trésor. Tellement rare. Ça par contre ça dégage. Alors qu'est-ce qu'il y avait sur cette carte au trésor? Si vous connaissez cet endroit, je veux bien que vous me l'indiquiez, parce que là... Ça a l'air d'être un petit village en haut... à gauche, là, du truc. Et ça doit être soit un château, soit une tour. Je sais pas ce que c'est. Et ça dit que c'est à droite. Ah bah écoutez, si on trouve un truc qui ressemble... Hein, ira voir. Du poisson... Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vêtements raffinés. Raffiné. Bien, alors vous n'y voyez rien, je n'y vois rien non plus. Oh, il y a plein de livres par contre. On va être trop lourd. On va être beaucoup trop lourd. Par contre, il revient. Lydia. Au secours. Lydia. Au secours. Viens là, Lydia! Ouh, il revient. Il revient à la charge. Ouf! Dans la patte. Dans la cuisse. Alors, t'as bien eu, hein. Œil du smilodon. Peau de smilodon. Flèche. Génial. Maintenant, direction Vendôme, parce que là... Oui, c'est bon, on l'a eu. Calme-toi la musique. C'est bien. Oh, c'est des poireaux, ça?
poires au grillé, quoi. On se fait des poires au grillé. Par contre, ouais, se soigner du vampirisme, ce sera encore mieux. C'est cool, hein, mais ce sera encore mieux de se soigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a un volcan dans le coin? Bon bah, nous voilà à Vendôme. Mais il me semble que pour soigner les vampirismes, il faut voir une... Enfin, un dieu ou un truc du genre, je sais plus. S'il faut, c'est même pas ça, en fait, il faut juste voir un autre vampire, il t'enlève la malédiction, puis c'est bon. C'est de ça, en fait. Ouais, du coup, il va falloir soit se nourrir... Putain, ça va être chiant. Ça va être chiant. Trouver quelqu'un qui dort, en plus. Écurie de Vendôme. Mais une maison, attends. C'est caché. On va déverrouiller. On va essayer de bouffer, du coup, là. Mais putain! Mais putain, mais Lydia! Mais Lydia! Qu'est-ce que tu fais, putain? Qu'est-ce que t'as fait, Lydia? Attends ici, toi. Tu bouges pas. Surtout, tu ne bouges pas. Il est quelle heure? Ah, il est 2h du matin. Demandez aux taverniers s'ils ont entendu des rumeurs jusqu'à ce que vous ayez la quête jusqu'au lever du jour. Cette option est seulement disponible si vous êtes déjà un vampire. Ah, d'accord, bah merci beaucoup, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Vous n'avez rien à faire. Un intrus ! Oh putain, je suis désolé. Ils se sont levés. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Puis tu vois le dieu qui part, t'attends 2 secondes. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais enfin, bon bah allez, on va se recoucher. Puis c'est le gars qui rentre juste après. Bonjour, désolé. Bon allez, viens Lydia, viens. Nous partons ? Oui, oui, suis-moi. Je donnerai ma vie pour vous protéger. Nickel. En tout cas, merci pour le tips. La petite astuce, là, ça va me soigner, ça va me sauver. Jour. Enfin, nuit. Enfin, voilà. Allons voir un tavernier. Bonne nuit. Vendôme. Pardon. Votre puanteur pollue notre air et vous refusez d'aider les sombrages. Mais nous n'avons pas pris parti parce que ce combat n'est pas le nôtre. Eh, peut-être que les peaux grises ne participent pas à l'effort. Ok, bah ça je m'en fous. Je m'en fous. Non, pas objet, je voulais voir la carte. Ah, mais je peux pas voir. Non. La taverne. Putain, elle est où la taverne? Je sais même plus où est-ce qu'elle est la taverne. Ça fait trop longtemps que je suis pas venu à Vendôme. C'est ça la taverne? Non, ça c'est la... C'est ça? Ça allait être ça. La fiole blanche. Soit c'est la taverne, soit c'est... Maître, vous êtes bien trop vieux pour un tel... Ouais, non. Je suis sur vos talons. Mais... Non, mais t'es sur mes talons, mais t'es surtout me gêne en fait. Ça, c'était juste un truc de potion. Oh putain, où est-ce qu'elle est? Là-bas, peut-être? Que c'est ça. Maison du clan Brise Bouclier. Du coup, non. Maison de Viola et Giordano. Non plus. Mais c'est que, c'est que des maisons, en fait, ici. Par contre, c'est pas très accueillant, hein, par ici. Hein. Vendôme, c'est pas folichon, hein, niveau... Ça, c'est le palais des rois, donc on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça? Olaf... Olaf Quinoeil. Il a duré 32 ans. Ah d'accord, il a vécu 32 ans, lui. J'arrive pas à lire. Tant pis. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on va, là?
C'est le coin des pauvres, ça. Tout le monde dit Aventus Aretino, il est en train de faire le sacrement noir. Il veut appeler la confrérie noire. J'en sais rien, je connais pas. Adressez-vous à Aventus Aretino. Bah non, en fait. Attends. D'abord caché, et ensuite... Non, toi. Lydia, toi. Tu bouges pas d'ici, tu restes là où tu es. Voilà. Ne bouge pas. On va juste boire un truc, hein. Juste une personne. Juste pour voir comment ça donne. Si ça donne, qui voilà. Mais il me regarde dans la direction, donc. Oh shit. Je suis pas là, moi. Dernier avertissement. Dégarpissez. Oups, merde. Bon bah on tente pas. Protéger Grimbar, mais nous vivons une époque dangereuse. Ouais, bah c'est bien. Alors, viens avec moi, toi. Tous les arguments des quais, ils sont gentils avec moi. À vos ordres. C'est bien parce que je donnerai ma vie pour vous. Ouais. Alors attends Lydia, deux secondes. Tous les arguments sont faits d'écailles. Qui est con? Tous les humains de peau. Alors toi, petite. Toi, petite, tu veux pas? Non, tu veux pas? Sérieusement, Lydia? Je peux pas parler. Je n'ai encore rien vendu aujourd'hui. Ouais, non. Je veux pas. Je veux pas. Tu te tais. Tu te tais? Non, mais je m'en fous. Mais y'a pas de taverne? C'est ça la taverne? Oh, si c'est ça la taverne. Saute. C'était ça la taverne. C'était ça. Voici une ode aux vrais fils et filles de bord de ciel. Les sombrages. Aux jours à venir. Les villageois m'appellent capitaine. Car non, tais-toi. Et bientôt révolue. Chasserons les sombrages, nos terres reprendront. Par le sang et l'acier, chez nous nous reviendrons. On lui dit qu'elle chante un poil faux. Le tueur de roi, le jour de ton trépas nous voit. Ou alors que sa voix est insupportable. Jean, vous êtes ici au camp des Lâtres. Ouais, je m'en fous. Des rumeurs. Vous avez vu l'hôtel d'Azura? On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui. Ouais, m'en fous. Vous avez entendu les rumeurs? Que Falion de Mortal a étudié les vampires, les drogueurs et autres morts vivants. Ouais, vous avez des rumeurs? Ah bon, c'est... Au lever du jour. Très bien, c'est ce qu'on va faire. Adressez-vous à Falion. Ouais. Falion! Encore merci hein, pour l'astuce. Bien, où allons-nous? Falion. Carte. Aventus, non mais ça je... C'est pas la bonne quête. Jusqu'au lever du jour, voilà. Ça, hop, ça dégage. Du coup, faut se barrer très loin, j'imagine. Ça doit pas être à côté. Falion. Ah ouais. Ah, c'est à côté de Mortal. Oh, bah ça devrait le faire. Bon, de toute façon, on va faire un déplacement rapide jusqu'à Vendôme après pour ensuite repartir vers... Fort divers, c'est vrai. Putain, à chaque fois, ça me fait peur, ce truc. Oui. Alors, faut aller par là. Jean. Faut que je me soigne avant que tout le monde me déteste, parce qu'apparemment, il y a un moment où tout le monde me déteste. Donc on va peut-être pas y aller. Mortal était tranquille avant, mais à l'époque le monde avait encore un sens. Si tu le dis. Vous êtes pâle comme un linge. Vous êtes allergique au soleil ou quoi? Ouais, c'est une chose à peu près pareille. C'est pas ce que ça. Tu vas pas m'attaquer toi, quand même. Tu vas pas venir m'emmerder. Quand même. Ah, oui, vous, bonjour. Soignez-moi vite. De sacrifier des enfants ou de manger le cœur des morts. Ne gaspillez pas votre salive.
Du calme, du calme. Fait-elle, et je n'en ai aucune intention. Tout ce que je souhaite, c'est de vivre en paix. Mais moi aussi. Mais quoi? Les habitants de Mortal préfèrent répandre d'horribles rumeurs sur ma vie, alors qu'ils pourraient simplement me demander la vérité. S'ils ont fait le choix de me craindre par leur ignorance, tant pis pour eux. Ça ne change rien à la vérité. Ouais, mais est-ce que... Enfin, je crois savoir que vous êtes un expert du vampirisme, apparemment. Mes connaissances sont grandes. J'ai étudié nombre de sujets que la plupart des humains ne pourraient comprendre. Mm-hmm. J'ai traversé les plans d'Oblivion. J'ai vu des choses que personne ne devrait voir. J'ai rencontré des Dédras et des Douémères, et bien d'autres créatures encore. J'en sais assez pour reconnaître un vampire là où la plupart des autres ne voient qu'un humain. Tu vas pas te mettre en slip et nous faire un peu de philosophie sur un toit, toi? Non, parce que j'en connais un qui n'hésiterait même pas, hein, des rayons, tout ça quoi. Pour ceux qui ont la rêve d'ailleurs. Cherche un remède. Il nécessite une gemme spirituelle noire remplie. Oh non. Vous allez devoir tuer quelqu'un. Oh non. Quand vous aurez récupéré une gemme et l'aurez remplie, revenez me voir et je procéderai au rituel. J'insufflerai la vie dans votre corps macabre, vampire. Oh non, putain, je vais être avec une âme dans mon corps. Une âme de quelqu'un que j'aurais tué. Très bien, et ben écoute, où est-ce que je trouve une âme noire, du coup? Parce que j'aimerais bien savoir comment on fait pour y avoir une gemme noire. Pour protéger Mortal. Où est-ce que je peux me procurer une gemme noire? C'est un objet rare et très précieux. J'en ai une que j'ai récupérée lors de mes recherches sur les royaumes d'Oblivion. Très bien. Je voudrais l'acheter, 102 pièces d'or. Je ne la vendrai pas à n'importe qui, mais je vais faire une exception pour vous. Le prix pour remplacer une telle... Ouais, 102... Ah. J'ai une spirituelle noire. Parfait. Mais c'est inutile à ce stade. Ah oui. Vous devez la remplir d'une âme. Ouais. D'accord. Très bon. Bien. Alors du coup, comment je fais pour la vampire? Faut juste tuer quelqu'un? Si c'est ça... C'est faisable, hein. Lydia? Ouais, voilà. On va tuer quelqu'un. Normal, hein, comme proposition. Peut-être prendre une dague, voilà. Peut-être assassiner. Si on peut assassiner quelqu'un. Ah, il faut trouver quelqu'un maintenant. Là, ça va être un peu plus compliqué. Surtout dans la... oh, on va tuer quelqu'un à Mortal. Ouais. Bah, assassiner quelqu'un, dans ce cas-là, ça va être un peu... Yeah. Ça, c'est vraiment notre but, de toute façon, hein. C'est de pouvoir nous soigner. Oh, est-ce qu'on pourrait pas tuer quelqu'un, genre un enfant? Ils sont insupportables. Normalement, on peut pas tuer les enfants, mais... Une pelle, ouais. Activer cercueil... Quoi? Comment ça, activer cercueil d'enfant? Activer comme ça, hein. Bon allez, on va rentrer chez quelqu'un et puis on va tuer quelqu'un, puis voilà. Ça c'est l'auberge, on va pas tuer quelqu'un à l'auberge. Ah oui. C'est les adeptes, ça. C'est les adeptes qu'on avait tués. Ça c'est quoi? Non. Ouais, c'est pas une maison, ça? Tout simple. Maison de tenir, ah bah voilà. Puis-je vous aider? Oh. Puis-je vous aider? Oh. Puissent les dieux veiller sur vous au cours de vos batailles. D'accord. Est-ce que tu peux éviter de me regarder, s'il te plaît? Cette maudite guerre nous a... m'a tout coûté. Ouais. D'accord. Couper d'enfants... Écoute, apparemment c'est pas du vol, donc... Vous jouez à cache-cache? Non, je joue pas à cache-cache. Enfin oui, je joue à cache-cache. Prime. Meurs. C'est pas possible. Ah. Jour. Non, non, l'attaque pas, l'attaque pas. Elle est trop conne. Jour. Je vais mourir.
Au secours! Au secours! Oh, si je meurs, de toute façon, c'est la fin de... il se barre, l'autre? Lydia! Lydia! Qu'est-ce que tu fais, Lydia? Faut que je fuis. Faut que je fuis. Et on est le jour, donc je peux pas courir. C'est génial. Oh! Non! C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au secours! Je vais mourir. Je vais encore mourir. Ils me poursuivent tous. J'ai essayé de tuer un enfant, bah voilà, ça se retourne contre moi. J'avais oublié que les enfants sont vraiment invincibles. Bon, on se cache. On attend la nuit. Hein. On va attendre la nuit. Vous ne pouvez pas attendre que les gardes vous poursuivent. Ah! Alors ça, c'est problématique, ça, par contre. Ça, c'est problématique. Bon, niveau 1... Vigueur. Ouais. Voilà, tir, crochetage, furtivité. Ouais, furtivité serait... Non, furtivité, j'ai... Mais... Voilà. Oui, oui. Discrétion assurée. Voilà. Est-ce que je peux... C'est compliqué, du coup. Ça va être compliqué. Par ordre du Jarl. Ah. Pas un pas de plus. Oui. Oui, je viens payer. Pas bête, mais suivez-nous. Ah. Nous garderons tous les objets que vous avez volés. Bon, j'ai rien volé. Partir. Ça va. Ouais, ouais, j'ai payé et puis j'ai pas d'objets donc je m'en fous. Ça va toi? Tu m'en veux pas trop. J'espère que tu m'en veux pas trop. Prenez une hache et ramenez-moi tout le bois que vous pourrez couper. Non. Non, clairement non. Il est quelle heure? Oh, bon, ça va, on va attendre juste 20h. Ils aillent tous se coucher. Puis on va tuer quelqu'un dans son sommeil. Voilà. Jour. Oh, nuit. Bien. Est-ce que ça, c'est une maison qui est habitée? Oui. Elle est cachée. Lydia? Tu m'attends là, d'accord? Ouais, attends-moi ici. Ah merde. Hop, en espérant qu'il me voit pas. Merci de m'avoir sauvé. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'était que ça? Voilà. Alors normalement, ça devrait le faire. J'aime spirituel noir. Mais comment je fais? Comment je fais pour le... Bon bah j'ai tué quelqu'un sans que ça marche. Oups. Bon bah, on ressort. Hein. J'ai une deck plein de sang en sortant, mais... Je vois bien. Alors, comment je fais? Comment je fais pour remplir une gemme spirituelle, en fait? C'est-à-dire, il m'a dit en tuant quelqu'un. Moi, je veux bien, mais je viens de le tuer et ça n'a pas marché. Hein. Objet, alors attends, on va y retourner pour voir, mais... Ah, elle est vide. Vous pouvez pas équiper ce... Je sais bien. Mais pourquoi? Je fais pour remplir une gemme noire. Alors s'il faut tuer plusieurs personnes, c'est un peu compliqué du coup. Je lui ai demandé, tiens. Bien plus réchauffé et sacrément plus heureux avec un peu d'hydromel. Ah ouais? Bah c'est bien. Va à l'auberge. Ça ira mieux. Bah tu bouges pas Lydia. Il doit être là-dedans lui. Il est là-dedans. Ouais, toi, Falion, tu vas me dire comment je fais pour remplir une gemme. On
T'as besoin de moi ici pour protéger Mortal. Ouais. Ce sont des forces puissantes. Méfiez-vous qu'elles ne vous dépassent pas. Alors du coup, non. Je vais peut-être garder mon argent. À la prochaine. Mais... Congélation de familier. Ah non, du coup. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas une magie pour... Pour ça. Pouvoir, non. Effet actif. Bon, ça, c'est des trucs en plus. On va chercher sur internet encore. Alors. Remplir une gemme spirituelle noire. Voilà. Bonsoir, comment on fait pour remplir une gemme spirituelle noire? Ne peuvent contenir que des âmes d'humains. Faut que tu tues un bandit ou un villageois qui a la marque de capture d'âme. En lui lançant un sort capture d'âme ou en ayant une arme qui applique... Mais comment je fais ça? Faut que je trouve une arme pour... C'est pas possible en fait. Par contre, ils disent qu'il faut aller voir un mage. On va aller voir un mage. Alors c'est un mage du coup l'autre ou... C'est un mage? Évitez de sortir la nuit. Ouais. C'est dangereux. Ce sont des forces puissantes. Méfiez-vous qu'elles... Non, je t'ai demandé pourquoi tu t'es installé en fait. Allô? Je? Allô? Ces marais sont traîtres. Je vous découvre. Ah voilà. C'est un secret pour personne. Mes talents sont utiles ici. D'accord. Ce n'est qu'un secret pour personne. Non mais... Du coup, on va attendre le matin. Voilà. Mortal peut être un endroit dangereux. Est-ce que tu as quelque chose à vendre si tu es un mage? Ah, bien. Regardez donc. Alors, capture d'âme, s'il te plaît. Un livre. Si tu as capture d'âme, voilà. C'est ça qu'il nous faut. Du coup. À la prochaine, ouais. Livre. Capture d'âme. Capture d'âme. Parfait. Alors, du coup. Attends. Attends. T'as une enfant? Mais putain. J'aurais bien tué, mais il a besoin, j'ai besoin de lui. Ah oui, c'est vrai. Peut-être attendre 12 heures, le temps qu'il fasse nuit, que tout le monde aille... Non. J'ai dit attendre 12 heures. On va attendre 13 heures. Que tout le monde aille se coucher. Hein. Bien. Maintenant, il va falloir trouver le sort. Hop, conjuration normalement, capture d'âme, voilà. Et du coup, j'espère que ça va pas. Ah oui. Mais il y avait une cave. Ah mais c'est la cave du vampire. Enfin de la vampire. C'est vrai. Bon, du coup, je sais pour lui. Hein. Je sais pour lui. Tu bouges pas, hein, surtout. Hein. Tu restes exactement là où tu es, hein. Tu bouges pas. C'est quoi, ça? C'est une auberge? La Légion cherche toujours des guerriers forts. Ouais, alors du coup, non. On va voir à l'autre maison, peut-être. Voilà, bon, c'est la maison du gars, donc non. Mais c'est tout. Oh, mais non, je veux pas intégrer la Légion impériale. Les enfants là. Ah, ça va être compliqué du coup.
Donc il faut l'âme d'Abandi sinon. Y'a pas une grotte ou un truc du genre? L'âme d'un humain, il me faut. Alors l'âme d'un humain. Une maison. Bah là y'a plus de maison de toute façon. On va trouver ailleurs. On va trouver ailleurs. On va se TP ailleurs. Avance rapide, solitude. J'ai pas envie de foutre la merde à solitude quand même. C'est bien sympa, solitude. Par contre, là, oui. Là, clairement, oui, je peux. On va tuer le palefrenier, tiens. Ah, mais c'est le jour, là. Ouais. Attends. Peut-être 14h, ouais. Voilà. Si je lance ce sort. Ah oui, de toute façon, j'ai pas besoin de l'assassiner dans le secret, de toute façon. Ça va. Encore attendre quelques heures. Voilà, peut-être 6 heures, ça ira mieux. Voilà. Peut-être du monde à l'intérieur. Allons voir. Écurie de Blancherive. Est-ce que je peux tuer quelqu'un, s'il vous plaît? Quelqu'un? Quelqu'un? Quelqu'un je peux tuer? Personne? Ouh, toi. Ah, j'ai tué sa femme. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, ouais, t'inquiète, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, t'inquiète. Ah, tu crois que tu fais quoi, toi? Voilà, tu meurs. Ouh, cette violence. Et du coup, âme capturée. Oh merde! Oh merde! Oh chier! Les gardes vont arriver! Les gardes vont arriver! Les gardes vont arriver, je suis sûr! C'était qu'une âme que je voulais! Oh chier! 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 Vite, barrons-nous! Je peux foutre la merde à Blancherie, je m'en fous. Mais par contre, ailleurs, ça va être compliqué. Ok, alors j'ai 1000 pieds. Alors du coup, vu que j'ai tué quelqu'un, c'est la fin. Je vais me faire tuer. Clairement. On se cache. J'ai bien fait de pas amener à Lydia, sinon elle aurait tapé tout le monde. Elle aurait défoncé tout le monde, sinon. Ouais, on va se déplacer à Mortal, et puis on va donner l'autre âme. Alors, est-ce qu'il est toujours chez lui? C'est bon, Lydia, tu peux me suivre. Ouais, pardon, ouais, faut que je range mon arme. Ouais, suis-moi. Ouais, arrête de m'appeler Tan. Bonjour. Alors non, du coup. Est-ce que je veux pas l'attendre, alors? Non, toujours pas. Faut attendre 2 heures. Enfin, attendre plutôt qu'il soit 10 heures. Ah, voilà. Si vous êtes ici pour acheter quelque chose, j'ai de nombreux sorts à vous proposer. T'as fait tomber un truc, si tu pousses. Entrez, entrez. Bah, je suis là, je suis là. On a besoin de moi ici pour protéger Mortal. Ouais, mais j'ai une gêne spirituelle noire remplie. Très bien. Venez me retrouver au cercle d'invocation du marais, à l'aube. Nous bannirons la créature qui vous hante. Très bien. À la prochaine. À la prochaine. Très bien. Alors, il faut l'attendre à l'aube, mais je pense que ça marche aussi comme ça. Hein? J'espère. On est juste à côté. Très bien. Par contre, il va me niquer la gueule quand même. Il va me dire, hey, je t'enlève ton truc, mais finalement il me met un autre vampire plus dangereux. On va attendre l'aube du coup. Vu qu'il faut attendre l'aube. Faut attendre 20h. 2, 3, 24. 1, 2, 3, 4. Alors, on va attendre à 4h. Et ensuite on va attendre. Nous patienterons.
Ah. Ah, vous voilà. Je suis là. Parfait. Ah, bien. Finissons-en, ouais. C'est qu'à jeu. Vous voudrez. Attendez que Falion accomplisse le rituel. Faut que je me mette au milieu du cercle, c'est ça? J'en appelle au royaume d'Oblivion, la patrie de ceux qui ne sont pas nos ancêtres. Entendez ma supplique. Et là, ça marche pas. La mort engendre la vie. Il y a en Oblivion le début de toute fin. J'en appelle à cette puissance. Acceptez l'âme que nous vous offrons. Comme le soleil éclaire la nuit, éclairez l'obscurité de cette âme. Insufflez la vie en cette créature. Le rituel est terminé. Ah, bien. Merci. En tout cas. J'ai besoin de moi ici. Ouais, mais je peux pas te remercier. Vas-y, qu'est-ce que vous faites ici? Ce que je fais ne vous regarde pas. Oh, ben ça va, hein. Faites-vous ici. Vous m'avez suivi? Partez immédiatement. Et ne dites rien à personne. Je vous ai pas vu. Très bien. Merci beaucoup. Et je vous ai pas vu. On s'est pas rencontré. Allez, ciao. Ok. Écoutez, si tu veux, hein, si tu veux. Bon, notre objectif maintenant. Hôtel d'Azur. Hein. Pourquoi je devrais aller à... Bon, du coup, notre objectif là maintenant. Ah mais du coup, faudrait que je fasse tous. Ah, ça va être chiant. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, j'avais dit 1h30, 2h, mais finalement, non, on l'a fait rapidement. Très rapidement même. Oh là non, on va visiter Vendôme, parce que j'ai pas complètement visité Vendôme. Maintenant qu'on est plus vampire, bah on est tranquille. J'ai cru que tout était en flammes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, en fait, c'est juste le bras zéro qui était là, et je me dis, putain, il y a tout qui est en flammes. Mais non, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Alors du coup, ça c'est le quartier pauvre, ça? Non? Il n'y a aucune gloire à faire la guerre. Effectivement. Aucune gloire. Ah, ça doit être le quartier pauvre, ça. Haïssez-vous les elfes noirs? Pas du tout. Êtes-vous ici pour nous tourmenter? Pas du tout. Pas du tout. Je fais juste une visite de la ville. Vous avez vu comment nous vivons? Des ruelles exiguës, des bâtiments en ruine. Ah ouais. Deux patrouilles de garde. Le nom quartier gris lui-même est une insulte. Ah, c'est un quartier gris. Ah, effectivement, vous êtes un peu palo, un peu gris. Pardon, excusez-moi. C'est tout ce que je demande. Avec votre aide, nous avons une chance d'avoir une vie meilleure. Je vous en remercie. Tiens. Jean. Le travail à la ferme est difficile. Ah bah, c'est le travail. J'attends quand je le peux, mais il faut toujours que j'entende mes frères se plaindre d'injustice. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Un travail, c'est un travail. Et dans sa terron. Ah, c'est très... Alors, en tout cas, j'aime bien l'ambiance qui est ici. Ils ont bien retranscrit l'ambiance pauvre... délabrée. C'est un secret pour personne que le jeune Aretino accomplit des rituels pour essayer d'appeler la confrérie noire. Mais qui va l'en empêcher? Moi? Oh, que non. Le petit Aretino? Attends, c'est un petit? Que voulez-vous, Bard? Le petit, c'est un enfant? Oh, attends. On va voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il nous mijote, l'autre? Adressez-vous à Ventus Aretino, ouais. Attends, c'est quoi ce bordel? Vous devriez vous débarrasser de l'équipement. Bah non, je fais ce que je veux. Si je veux garder mon équipement... Ok, c'est là-haut. Ok. On va voir Aventus, le petit Aventus. Alors, peut-être pas pendant la nuit, du coup. Si c'est la nuit... Bah non, c'est 6 heures. Oh, on attend. Patientons. On va attendre un peu plus. Pas envie de me foutre encore dans la merde. Avec d'autres gardes. Déjà qu'à Blanche Rive, je suis recherché. Ah, mais c'est verrouillé. Bah, attends. Ah, nickel. Hop là.
adoré, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Mère adorée, envoyez-moi votre enfant, car les péchés des indignes doivent être lavés dans le sang et la peur. Pardon ? Grélotte, vieille sorcière, tu vas avoir ce que tu mérites ! La confrérie noire va s'occuper de toi ! Grélotte, vieille sorcière, tu vas avoir ce que tu mérites ! La confrérie noire va s'occuper de toi ! Qu'est-ce que tu branles ? Voilà, enfin ! Je savais que quelqu'un viendrait ! Mais qu'est-ce que tu... Ça a marché ! Je savais que quelqu'un viendrait, je le savais! J'ai fait le sacrement noir des centaines de fois, avec le corps et les machins, et vous voilà, un assassin de la confrérie noire! Mais, je suis pas du tout... Vous n'avez pas besoin de parler, pas besoin, vous êtes là, alors je sais que vous allez accepter mon contrat. Pardon? Un contrat? Ma maman, elle est morte... Je suis tout seul maintenant. Ah, je suis désolé, mais... Ils m'ont envoyé dans cet horrible orphelinat, Honorem. La directrice est un démon cruel. Il l'appelle Grélod la douce, mais elle est pas douce du tout. Elle est horrible avec nous. D'accord. Je me suis enfui et je suis revenu à la maison. C'est là que j'ai fait le sacrement noir. Vous êtes là maintenant. Vous allez tuer Grélod la douce. Bah non, en fait. Faites vite, pitié. Franchement... Bah non, en fait, je vais prévenir la garde. Mais je vais pas faire... Mais non. Attends, je vais la prévenir au moins. Parce que je veux pas la prévenir. Ah mais non, mais elle est loin. Attends, je comprends pas. Mais elle est où? Grélod. Attendez, on va sortir. On va voir ce que ça donne. Je vais pas la tuer. J'ai la tué deux personnes, dont une qu'il fallait pas. Je vais pas la tuer une troisième personne, quand même. Bon, après tout. Par contre, c'est où ton truc, là? Ça m'emmène où? Mais qu'est-ce que... Pardon? Bah voilà, on a notre objectif pour la prochaine fois. On va devoir lui parler, soit lui parler à elle, soit essayer de trouver un moyen de ne pas la tuer. Parce que je veux pas la tuer. Je veux pas encore tuer une autre personne. C'est abusé. Donc voilà. Donc prochain coup, fort d'hiver. Et puis ensuite, on ira voir l'autre. Ou inversement. Mais je crois que j'ai pas encore visité là-bas. Non, j'ai pas encore visité Fayez. Bah du coup, on va faire ça, hein. Prochain coup, on va visiter Fayez et Fort d'hiver. Et pendant qu'on visite Fayez, on s'occupe du truc. Mais le petit, là, il est un peu dérangé. Il a un petit souci au cerveau, je pense. Ça va pas fort. Ça va pas fort. Fais fresca ici, hein. Allez, dire. Fresca. Ah, du coup, peut-être enlever l'armure vampirique Non. Je commence à être un peu lourd aussi. Non. Est-ce que j'ai pas une armure? Ah bah si, voilà. Parfait. J'ai un vrai enfant de dragon là du coup. Bon, j'ai un peu frais mais ça va. Bon. Alors du coup, hop, on sauvegarde. Et on s'arrête là. Bon, j'espère que ce petit, très petit live vous a plu. Hop, bureau, hein. Oui, on a sauvegardé, de toute façon, c'est bon. Puis si ça n'a pas sauvegardé, bah tant pis, on recommencera un moment, et puis on changera les discussions, s'il y a des discussions à changer. Voilà. Du coup, tac, tac, on s'en coupe. Du coup, on n'est plus vampire. Victoire. Problème, on a parlé à un gamin qui voulait qu'on tue quelqu'un. Et on a dû tuer deux personnes. Et on est dans la merde au niveau de Blanchet, parce que du coup, on est recherché pour meurtre. Double meurtre. Génial.
Génial. Mais à part ça, ça va quoi, vous êtes bien baladé. Tout va bien à part ça. Hein? Tout va bien. Donc, je vais m'arrêter là pour l'aventure. Quelle heure est-il? 15h44. 15h44, c'est un peu tôt, mais bon, tant pis. Ce soir, le grand soir, Phasmophobia. Voilà. Aux environs de 21h, peut-être un peu avant, le temps de discuter un peu au début du live, avant de lancer Phasmo, et sinon ce sera Phasmo ce soir. Voilà. Demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Avant la fin du live? Non, fallait que je teste un truc. Parce que j'ai envie de faire un truc. Hop, on va couper ça. Alors juste... Pourquoi ça veut pas? Il y a un bug ou... Allô? Ok, ça marche pas. Bon, alors on va faire comme ça. Tac. On a prévu, enfin j'ai prévu, de faire une aventure sur Baldur's Gate. La porte de Baldur. Baldur's Gate 3, pardon. Et j'aurais bien envie de le faire en live. Si le jeu, enfin si le live supporte. Enfin si mon PC supporte les deux. C'est plus clair. Donc, on va jouer. Je sais pas si j'ai une sauvegarde déjà sur le jeu. Je crois que j'ai tout supprimé, mais je suis pas sûr. Donc, on va voir ça. D'accord. Hop. On va voir ça si le tout supporte. Donc, on va faire une petite partie vite fait. Enfin, juste lancer vite fait une partie. Hop. Capture de jeu, oui. Baldur's Gate, let's go. Voilà. C'est en train de charger. Voir si le live supporte. Vaut mieux que on teste là avant de faire directement le truc et que ça marche pas. Hein, n'est-ce pas? Donc on va juste lancer vite fait un truc. Voir si le live y a pas de saccade, si ça tourne bien, s'il n'y a aucun souci. Voilà. Normalement, ça devrait pas avoir de soucis. Voilà, je vois des saccades, mais c'est sur le retour, donc de toute façon, c'est tout le temps biaisé, le retour. Et... ouais. Continue. J'avais un truc. Bon, on verra. Si j'avais lancé en solo, ça allait en gros. S'ils avaient amélioré ils avaient énormément amélioré le moteur du jeu. Parce que ça, avant, je jouais en minimum et ça laguait un peu. Là, je suis pratiquement au maximum. Et ça va quoi. Voilà, c'est lagué parce que du coup je suis en live. Pour ma part, ça va. Mais si pour vous c'est pas possible de regarder, c'est pas possible. Peut-être baisser un peu le graphisme juste. Option. Vidéo. Personnaliser. Non, on va mettre en moyen. Voilà. Accepter. Voilà. Et normalement, ça va être mieux. Voilà. Bon, voilà, donc là, il n'y a aucun spoil, de toute façon, c'est le début, c'est vraiment c'est quelques minutes de début. Et donc, j'ai l'intention de faire cette aventure avec Nyx, Ion-Jin, et si Zane est chaud pour faire une aventure sur Baldur's Gate, ce serait top. Bon, je connais le début, donc je les laisserai faire absolument tous les dialogues, bon, sauf certains, si vraiment, voilà. Je connais le début, faire la fin même, si j'ai vu... beaucoup de streams et j'ai avancé aussi de mon côté faire plein de petits trucs, donc je connais plein de petits trucs d'histoire, des lieux qui où j'ai vraiment hâte de retourner voir ces lieux là parce qu'ils sont magnifiques et l'ambiance incroyable, donc ça je vais pas vous spoil un truc un peu dégueu. Hop, bon voilà, après ce test là normalement ça devrait le faire. On va juste sortir là, voir ce que ça rend, ce que ça donne. Donc on laissera toutes les cinématiques, hein, de toute façon, pour que vous compreniez bien. Le dragon. Avec le titre des bulletins. Et je pense qu'on fera, avant de faire le live directement, je pense qu'on fera un... comment ça s'appelle ?
une partie test pour qu'ils apprennent un peu les touches. Enfin les touches, les différentes options, tous les trucs comme ça. Et je pense que ce sera ce perso-là que je ferai quand j'essaierai de refaire un peu. Pas au niveau de... comment ça s'appelle ? Que au niveau physique, on va dire. Voilà. Ce sera plus simple. Normalement ça, voilà. Fiche perso peut-être ? Voilà. Il aura un peu cette gueule-là, vite fait, j'essaierai de refaire un peu pas pareil. Donc voilà. Donc normalement, ça devrait le faire du coup. Si ça lag, n'hésitez pas à le dire. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire non plus. Normalement, ça devrait être bien. Bon, à part là, c'est pas saccadé du tout. Ça se passe très bien. Si il est trop éloigné de la mais je sais bien. Et on peut pas retourner parce que c'est trop. D'accord, ça, c'est, du coup, c'est logique. Hop. Pour ma part, c'est très très fluide. C'est très 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 fluide. Bon. Ah, très bien, du coup. Par contre, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait vraiment un truc, un décor complet en dessous. Ah, mais on est dans les enfers en fait. D'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre qu'on était dans les enfers. Bah ouais. Ça, c'est un truc des enfers, ça. C'est génial. Oh là là. Ah ouais. Pardon, faut voir... penser qu'on... que c'est après, en fait. Mais faut voir la cinématique pour tout comprendre. Mais je pensais qu'on était après, en fait, à ce niveau-là. D'accord. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Bon, voilà. Ce petit test est terminé. Quitter le jeu direct. On fera du coup, je pense, juste avant de lancer ça, on essaiera de faire au moins une session hebdomadaire, si possible plus, c'est encore mieux. Genre le samedi et le dimanche, si possible, ou sinon juste le dimanche, si tout le monde est dispo. Faut voir les disponibilités de tout le monde, et qu'ils sont chauds aussi pour faire ça. Hop. Et sinon, voilà, moi je suis très chaud. Moi, j'adore ce jeu, il est incroyable. La BO, l'ambiance est incroyable, les dialogues sont incroyables. Je vous spoil un peu, mais on aura un personnage qui n'aimera pas beaucoup discuter. Voilà. Je vous dis pas qui, hein, vous aurez la surprise au moment venu. Mais voilà. Donc, on fera une petite partie test pour qu'ils apprennent un peu le tout, comment ça marche et tout, que ce soit plus. Plus cool à regarder, on va dire. Mais comment je fais pour toucher, pour faire ça? Comment je fais pour faire ça? Ça va être un peu chiant si on fait ça en stream. Donc voilà, ils auront les bases, et après ils apprendront petit à petit, ils prendront le truc sur le jeu, quoi. Sur le tas, ils apprendront sur le tas. Pas français, sinon. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit live. On se retrouve ce soir vers 21h pour du Phasmophobia. Pour ceux qui veulent me retrouver demain, qui ne veulent pas voir du Phasmophobia, parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Ce sera demain... Je sais pas encore. Ouais, je vous invite à voir juste en dessous sur Twitter ce que je ferai demain. Je vous indiquerai ça vers midi à peu près. Et s'il n'y a pas de live, il n'y a pas de live. Je vous indiquerai aussi s'il n'y a pas de live. Voilà. Sinon, comme en dessous, tous les liens. Twitter, Instagram, YouTube et Discord. Donc voilà. Je vous fais à ta bisous. Je vous dis à ce soir et sinon à demain pour les autres. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Parce qu'il est quelle heure? Bah, il doit être 16h normalement. Bah oui, c'est ça. Il est 16h. 16h moins 10. Voilà. Des bisous et ciao tout le monde. À ce soir. Et puis peut-être que je vais rater quelqu'un. Peut-être que je vais rater quelqu'un en fait. Bah il n'y a personne à raid. Ah bah dommage. Tant pis. Bye bye. Bye bye. Et merci d'être venu. Merci. C'était cool. Bye bye.